no et veig enlloc. No sents la meva veu atronadora? No entens aquesta llengua que et parla entre perills? Has desaprès d'entendre'n els teus fills. Adéu, Espanya. Bonjour, je suis Pascal Landry, je suis candidat au doctorat à l'Universitat Pompeu Fabra à Barcelone depuis maintenant 4 ans. Donc j'habite la Catalogne depuis 2008 et j'ai pu être témoin là-bas de la montée du mouvement indépendantiste suite à un jugement de la Cour constitutionnelle de Madrid et j'ai pu aussi... participer finalement à une manifestation monstre qui a eu lieu en 2010 à laquelle participait 1 million de personnes sous le titre « Somme una nación, nos altres decidim » qui veut dire « Nous sommes une nation, nous décidons » qui était enfin une réaction au jugement de la Cour constitutionnelle qui invalidait la décision voté par référendum de vouloir accorder à la Catalogne le statut de nation. 1 million de personnes dans les rues de Barcelone pour défendre l'autonomie catalane et protester contre le rejet par la Cour constitutionnelle de plusieurs articles du statut adopté en 2006. Les 3 derniers présidents de la région étaient présents, tout comme les partis à l'origine du statut, dont le Parti socialiste et la coalition nationaliste CIU. Il faut partir d'il y a à peu près 800 ans. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à peu près au 12e siècle. La Catalogne décide de se doter de la Generalitat qui est finalement un parlement dans lequel il garantit certains droits à l'extérieur de la cour monarchique de l'époque. La Catalogne, à l'époque, est aussi un empire qui s'étend même jusqu'en Grèce. Et qui contrôle plusieurs parties de la Sicile, des îles Baléares et une partie du sud de la France. Bref, il y a quand même une certaine histoire à travers cette Catalogne. Et cet empire, finalement, va se transformer en le royaume d'Aragon. Et par la suite, en 1714, il y a la guerre de succession en Espagne. Or, la Catalogne va supporter les Habsbourg, si je ne me trompe pas, et alors que c'est les Bourbons qui vont gagner cette guerre. Et à partir de ça, le 11 septembre 1714, la Catalogne va perdre certains droits, comme on va interdire le catalan parler, et on va aussi abolir la Generalitat. Ensuite, durant la Révolution industrielle, la Catalogne est la région en Espagne qui devient assez industrialisée le plus. Et qu'est-ce qui va se produire? C'est que durant la guerre hispano-américaine de 1898, l'Espagne va perdre les territoires de Cuba, les Philippines, Porto Rico, sous que la Catalogne et ses riches industriels avaient beaucoup d'intérêts économiques dans ces régions. Qu'est-ce qui se produit? On va voir une montée du catalanisme suite à ça, qui fait en sorte que tout un mouvement autant artistique que social et culturel va redonner naissance à cet sentiment nationaliste. À la même époque, Pompeu Fabra, un linguistique, fait une réforme de la langue catalane et la standardise. Bref, ce mouvement nationaliste va monter jusqu'à la guerre civile, là où, encore une fois, la Catalogne va reperdre des droits qu'elle avait acquis juste un peu avant, soit la Generalitat, soit ce gouvernement-là, et donc, soit le droit de parler le catalan. Elles vont reperdre ces droits-là acquis. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que durant à la fin de la guerre civile, les Catalans vont être aussi sévèrement persécutés par la dictature de Franco. Et au milieu des années 70, on retrouve aussi un grand mouvement d'immigration du sud de l'Espagne
en Catalogne, ce qui va, on va dire, diminuer un peu cette vague nationaliste. Et ce, jusqu'en 1981, sous que, suite à la dictature, on retrouve la généralité. Or, les accords qui sont signés dans la Constitution et suite à la Constitution, c'est on redonne le droit à la Catalogne, à la Generalitat, au droit d'enseigner le catalan dans les écoles. Mais pour la Catalogne, on veut aussi aller chercher des droits en termes fiscaux. Car, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les Pays Basques, ils ont un conseil du trésor qui leur est donné, le droit d'avoir un conseil du trésor. Or, en Catalogne et dans d'autres autonomies, ils n'ont pas ce droit. Tous les revenus doivent passer par le conseil du trésor à Madrid. Or, vers 2003-2004, le Parlement vote à grande majorité pour aller négocier un nouvel accord sur l'autonomie, soit redonner le droit à la nation, reconnaître le statut de la nation catalane, droit fiscal, et dont un conseil du trésor équivalent à ce qu'il y a au Pays Basque, et aussi droit, beaucoup plus de droit en termes d'affaires internationales. Or, dans tout ce processus, il se tient en 2006 un référendum sur cette question. Et ce référendum passe avec grande majorité. Or, suite à ce référendum, le Parti Popular, qui est le parti de droite qui est actuellement au pouvoir à Madrid, commence des démarches juridiques pour invalider ce nouveau statut d'autonomie. Ce processus juridique qui passe par la Cour constitutionnelle de Madrid dure durant 4 ans, jusqu'en 2010, sous qu'à la fin, on invalide plusieurs points de ce nouveau statut d'autonomie. Et ce qui va en suivre, c'est une manifestation monstre dans les rues de Barcelone, où on peut compter jusqu'à 1 million de personnes venir se présenter et donner leur désaccord. Mais aussi, on va voir plusieurs petits référendums populaires à travers les régions de la Catalogne se faire sur l'indépendance. Et c'est quand même quelque chose d'assez important, parce qu'il y a 10 ans à peine, l'idée de l'indépendance était très marginalisée en Catalogne. C'était vraiment promu par des groupes rock très alternatifs ou, bon, certains cliques d'artistes, mais c'était rien de quelque chose qui allait vraiment chercher une grande majorité de la population. On pourrait peut-être parler de 20% d'appui à l'idée de l'indépendance. Mais qu'est-ce qu'on voit maintenant, c'est que l'idée de l'indépendance est environ 50% si on demande soit l'indépendance, soit le statu quo. Or, si on pose la question différemment et si on demande « Que choisissez-vous entre indépendance et fédération? » Et là, on tombe à peu près 33% fédération, 33% indépendance et 33% statu quo. Pourquoi que l'idée de la fédération n'est pas très populaire, alors que je crois qu'il y a quand même une majorité qui voudrait plus une fédération que l'indépendance, c'est que les gens réalisent de plus en plus que cette idée de fédération avec l'Espagne, c'est impossible. Les individus comme les peuples n'existent pas vraiment s'ils ne sont pas en partie reconnus par les autres. La reconnaissance par autrui fait partie constitutive de notre identité. C'est Mitterrand qui disait pour participer pleinement à un grand ensemble, il y a une question fondamentale, une condition plutôt fondamentale, incontournable, c'est d'exister. Sinon, on ne peut pas participer. Dol cor dol.
les guilleries sortirà un gran espatec que em faran ressons de guerra les parets de Tavertet. Des de Sau a la Cellera, des del Far al Matagalls, el trabuc d'en Serra Llonga tornarà als embagatalls. Torna, torna, Serra Llonga, que l'alzina ens cremaran, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robaran. Torna, torna, Serra Llonga, que l'alzina ens cremaran, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robaran. Torna, torna, Serra Llonga, que l'alzina ens cremaran, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robaran. Torna, torna, Serra Llonga, que l'alzina ens cremaran, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robaran. Torna, torna, Serra Llonga, que l'alzina ens cremaran, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robaran. Torna, torna, Serra Llonga, que l'alzina ens cremaran,